N'effacez pas Gérard Depardieu. Ce sont les mots signés par 56 personnalités du monde de la culture qui dénoncent un lynchage de l'acteur. Parmi les signataires de ce texte, on trouve l'acteur Benoît Poulvord, Gérard Darmon, Pierre Richard, les chanteuses Ariel Dombal, Carla Bruni, en passant par Afida Turner et bien d'autres. Dans Le Figaro, les signataires souhaitent que l'acteur puisse continuer à jouer et regrettent que la présomption d'innocence ne soit pas respectée pour Gérard Depardieu, qui est mis en examen pour viol depuis 2020. Nous souhaitons rappeler tout le bien que cet homme nous a fait, aussi bien à nous artistes qu'à tant de spectateurs. Un grand film, ce n'est tout de même pas rien. Cela compte, non? Dans cette tribune, aucun mot n'est dédié aux plaignantes qui accusent l'acteur de viol et de harcèlement sexuel. Sur les réseaux sociaux, plusieurs associations féministes se sont indignées. Les signataires sont pris pour cible. Celui qui hait, c'est celui qui traite les femmes de grosses salopes et tient des propos pédocriminels face caméra en toute décontraction, assuré de son impunité. Ceux qui haïssent, ce sont ceux et celles qui accusent les victimes d'être des bourreaux pour mieux les faire taire.